salut à toutes et à tous les amis, bienvenue à la même compagnie pour ce troisième épisode de Super Mario Bros. Wonder. Souvenez-vous, on s'en était arrêté là, oui, avec tous ces petits jetons. Actuellement, le bloc bonus qui est équipé, nous sommes présentement sur le monde numéro 2, le mont nébuleux, que nous n'avons pas encore commencé, puisque nous étions d'abord, alors évidemment au monde 1, la plaine des tuyaux, mais on était sur l'île du milieu, l'île florale, dans laquelle on a quand même pas mal évolué. Voilà, donc on va explorer ce monde numéro 2, le mont nébuleux, bien sympa, apparemment on va voler, voilà, visiblement on est au-dessus des nuages. Donc on est parti, camp de base du mont nébuleux, on est parti pour découvrir et pour récupérer un maximum de... de plaisir, bien évidemment. Bonjour Poplin, bienvenue au mont nébuleux, destination phare de nombreux alpinistes. Son sommeil particulièrement agréable lui donne un écho fantastique, concis et poumonne. Malheureusement, un sinistre individu s'y est installé et il est devenu dangereux de s'y rendre. On se demande bien de qui il parle. Si je vous donne ma graine prodige, est-ce que vous pourriez libérer le mont pour nous, s'il vous plaît? Bien évidemment, voilà, on va pouvoir récupérer un maximum de graines prodiges afin de récupérer justement la graine royale. Voilà. On récupère plein de graines prodiges, ensuite on récupère la graine royale et ensuite on peut débloquer l'accès final au boss. Voilà. Ça, c'est fait. Une première d'obtenue gratuitement, ça fait toujours plaisir. Merci, monsieur, pour votre confiance. On s'occupe du reste, ne vous inquiétez pas. J'espère que vous allez bien, les amis, en tout cas. Bienvenue, prenez place, installez-vous confortablement. Un petit chocolat chaud, un petit café, des petits gâteaux. Voilà, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu, évidemment. Allez, nous voici donc avec la patinoire Tap 2, difficulté 3 étoiles. Ça commence déjà direct, hein, dans le vif du sujet. Difficile de s'arrêter net sur une surface gelée, alors avancez prudemment sur la glace. Ok, on est dans le royaume des neiges. Ça tombe bien, je suis la reine des neiges. C'est plutôt pas mal. Hop, dans la bulle. Ça dégage la racaille. Hop, hop. Ouais, plutôt pas mal. Qu'avons-nous là? Oh, la... oh putain, la saloperie. Je suis vulgaire, encore une fois, je suis désolé. Hop, voilà, la petite fleur. Ah, la fleur ne suffit pas à briser la glace. Attends. Ok. C'est bien ce qui me semblait. Hop, on va se faire pas mal de pièces, c'est cadeau. Imagine ça se brise en dessous de moi là. Ce serait excellent. Hop. Et hop. Hop. Oh, attends, peut-être je peux faire ça. Oui. Ah. Ok. Dégage. Est-ce que ça sert à quelque chose? Non, j'ai pas l'impression. Allez, on avance, on continue. On perd pas de temps. Bonjour, monsieur, la tortue. Hop. Tortue qui va quand même relativement vite. Et ça glisse, hein. Ça glisse, Alice. Hop. Oh, purée. Hop, voilà, ça. Ça s'appelle le karma, bien évidemment. Alors, est-ce que je peux atteindre ce truc? Bien sûr. Hop. Allez, let's go. Let's go, je récupère 70 pièces roses, hein, qui vont nous permettre évidemment de faire des achats. Alors ça, mon pote, tu vas me respecter, ça je te le dis direct. Hop, voilà, je vais me rentrer dans le tuyau. Qu'avons-nous là, bon... Oh putain, oh la saloperie. Et en plus, c'est qu'il n'y a rien à faire ici, donc j'aurais pu rester sur le tas de glace. Ah, pour récupérer les pièces, ah dommage, j'ai tout foutu en l'air. Ah, oh. Je vais recommencer. Ah ouais, je fais comment moi là? Ah punaise. On peut pas recommencer, attendez. Des fois qu'on sait jamais, attendez. On va revenir en arrière. Comme ça on est sûr d'ailleurs de rien rater. Oh putain. Pardon, encore une fois, vulgarité. Si je recommence. Ah dommage. Ah c'est vraiment dommage. Mais ça tu vois, je reproche parce que... Bah si tu le sais pas, tu fais comment? Non, c'est trop tard, on peut plus... Ah si, peut-être qu'on peut recommencer de toute façon dès le départ le niveau. Bon, bref. Ma foi, c'est pas grave. On va continuer comme ça. Il nous en faut plus. Oh purée. Allez, je suis ici mon pote. Ah, dommage. Glissade! Ouais, magnifique. Hop, 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 hop. Ah, par contre ça, je veux bien que tu t'actives, ok. Voilà, des petites pièces quand même, histoire d'en récupérer un petit peu. Hop là. Ah, j'aurais pu aller en bas. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai ça. Hein. Bonjour à vous la racaille. Voilà. Ok. Ok. Oh non. Ça c'est... Oh non. Eh, ça c'est dangereux. Hein. Attention tout de même.
Et du coup, attends, ma compétence de bloc. Attends, c'est pas ça. Attends, mais comment je fais ma compétence de bloc, là? What? Bah, je comprends pas, j'avais pris un jeton... vous savez, j'ai le jeton qui fait des pierres, là, qui fait des blocs. Bah, ça a pas l'air de servir à grand-chose. Oh! Let's go! Incroyable. Oula. J'adore. Allez, de retour, excusez-moi pour cette petite coupure. Ok, on était ici. Ah oui, c'est vrai, c'était l'avalanche. La neige qui est en train de s'écrouler. Oh non, oh oui, oh oui, oh oui. Oh non, pardon. C'était une feinte. J'ai cru que c'était la fin. Quoi? Oh, c'était une vieille feinte. J'ai trop le seum. J'ai trop le seum. Oh non. Wow. Oh non! Oh, j'ai eu une chance monstrueuse quand même. Hein. Ok, ok. Non, monte. Oui, non, oui. Allô, peut-être. Eh, c'est pas facile. Hein. J'adore. Par contre, je me suis pris une de ces feintes. Oh. Graine prodige obtenue. Allez, magnifique. Et en fait, c'est bon. Mais j'oublie pas que je me suis fait feinter. Hein. Tu vois, là, voilà. Là, ce qu'il me faudrait, c'est le truc pour escalader. Voilà. Ah, mais non, attends. Magnifique. Ok. Alors attendez. Voilà, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Attendez, je veux quand même arriver tout en haut si déjà j'ai réussi à faire ça. Hop. Et voilà, prodigieux, messieurs, dames, ça me fait deux graines prodiges en plus. Donc ça, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment masterclass, comme on dit, hein. Bon, mais ça fait plaisir. Ah, je suis content. Franchement, je suis content, ça se passe super bien. Ah, il y avait 3 graines prodiges à récupérer dans le level. Ah ouais, mais bon, j'ai dû tout foirer comme d'habitude. Ça, c'est terrible. Ok. Voilà pour le premier niveau. Donc, ça fait 3 graines prodiges au total. On a une petite chance. Tape tout givré. Donc, pour récupérer une 4e graine prodige, ça, c'est parfait. Les taudes sont les habitants du royaume champignon. Et c'est bien leur tête que l'on voit. Pas un chapeau. Très bien. Ok, j'ai cru que j'allais déjà mourir. Aïe, mais ça fait mal. On fait pas ça. D'accord. Alors, bon, bloc, bonus. Ce badge ajoute des blocs au stage. C'est nul. Ah, ok. En fait, ça s'ajoute automatiquement. Ok, j'avais pas compris ça. Non, mais c'est nul. Je vais reprendre. Alors, soit parachapeau ou soit saut d'escalade. Les deux sont vraiment bien pour le coup. Vous emportez des pièces à chaque ennemi, machin. Champion gratis. Commencez le stage avec un super champignon. Vas-y, on va reprendre le parachute. Parce qu'au moins, vous voyez, tu vois, ça c'est quand même bien pratique. Ah ouais, ouais, non, mais là... Alors attends, je vais faire apparaître ça. Ça me permettra peut-être de m'en sortir. Je vois pas comment faire. Ok, je sais comment faire. Oh non! Ah si, c'est bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ça me l'a stocké. Je sais quoi faire. Il faut que je lui envoie... Comme ça. Oh, j'y arriverai pas. Oh, purée. Oh là, j'ai eu de la chance. Ok. Voilà, graine prodige obtenue. On va y arriver, hein. On va y arriver. Avec la petite capture d'écran qui n'a ni queue ni tête. Ok. Qu'est-ce qu'il fait là, le bonhomme, là? Un petit bonhomme à droite, il a froid. Grrr. Je suis vraiment en colère. Je voulais me faire plaisir en grimpant au sommet, mais c'est impossible à cause de cet enquiquineur. Moi qui rêvais de cette ascension. Que quelqu'un fasse quelque chose. Alors, la légende raconte que c'est Inoxtag qui veut monter le mont Everest, mais qui ne peut pas parce qu'il est bloqué. Donc, comme beaucoup attendent ce projet avec impatience, eh bien, c'est cadeau. Je vais débloquer le passage. Comme ça, Inox pourra monter le mont Everest grâce à moi, évidemment. Hein. Voilà. On fera ça après. Recherche collective, énigme de la place. Oh purée, regardez la difficulté. Défi badge, saut d'escalade 2. Et Serpate des Neiges. Allez, on va commencer par Serpate des Neiges. Difficulté un petit peu plus light. Même d'ailleurs très light. Il y a une étoile la difficulté. Ok, très bien. Original. Allons-y gaiement. Hop, moi je rush. Hein. Rien à péter. Il neige, ouais, il neige. Hop, hop. Oh. Oh, viens. Bah, let's go. On rush. Oh, dommage.
pensais que ça casserait tout. Ok. Bon, bah, l'étoile qui sert à pas grand chose. Est-ce que je peux passer par là? Non. Dommage. Je vois pas comment récupérer l'étoile en bas là. Par là, comme ça? Je suis un génie. Je suis un génie, voilà. Incroyable. Impressionnant. Impressionnant, me direz-vous. Checkpoint. Oui! Oui! On sent quand même l'amélioration entre le premier épisode, entre le premier épisode et le deuxième. Par contre là, va falloir m'expliquer comment faire. La neige, bah en fait, bah si, mais en fait c'est physique. Ah bah voilà. Si tu fais quelques cours de SVT, tu sauras d'où vient la neige. Ok. Qu'est-ce que je peux faire avec la neige? Excellent. Excellent. À quoi ça peut servir? Ça va bien servir à quelque chose, la neige, non? Quoi? Je pensais que je pouvais sauter dessus. Ah, ça va. Ok. On casse tout. Reviens. Hop. Voilà. Ok. Ouh, ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Hop. Un petit champignon, ça ferait plaisir, en vrai. Voilà, j'en demandais vraiment pas tant. Ah ouais, là il faudrait que j'arrive à passer par en bas. Alors attendez, je sais comment faire. Ah ouais, c'est pas facile. Voilà, viens là. Ok. Là faut que j'arrive à passer, c'est bon. Et là du coup, hop, voilà. Magnifico. Oh, on a une graine prodige là-haut, je l'ai vu. Ah ouais, comment on va faire? Oh non, salopard. Comment on va faire pour monter? Eh ben on va faire comme ça. Hop, hop. Voilà bébé, graine prodige obtenue. Putain c'est bon ça. Alors par contre je vais quand même limiter la casse. Hop, voilà je me permets. Autant en profiter, c'est fait pour. Hein. Ok. Je fais gaffe. Ok bah je crois que c'est la fin. Magnifique. Hop là. Allez, ça régale. Oh c'est bon ça. C'est un perfect. C'est un perfect. Bon, on a quand même eu pas mal de morts hein, dans le dernier épisode. Et on a récupéré les deux graines prodiges. J'ai beaucoup aimé. Là. Ce niveau était vraiment bien sympa. Un de mes niveaux préférés pour le moment, j'ai l'impression. Et pourtant, je suis pas friand du froid et de la neige. Saut d'escalade 2. Vas-y, je suis chaud. Mais j'aurais dû changer de badge d'abord. J'ai trop le seum. Il faut que je change de badge. Ah bah c'est bon, il m'a mis le badge automatiquement. C'est bon. Bah oui, c'est vrai. Donc là, c'est un nouveau badge. C'est un saut d'escalade. Sauter contre une paroi et appuyer sur B pour sauter à nouveau vers le haut. Ah mais ça, on l'avait déjà. Ça, on a déjà fait. C'est bon, on sait faire. Regardez, hop. Voilà. Ok, donc c'est assez simple. Voilà, pourquoi ils disent que c'est difficile. Hop. Oh non. Ok. Hop. Hop. Voilà. Hop. Hop, 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 ninja, hop, c'est par ici. Ok, dans ce cas-là, j'arrive. Alors attends, je vais récupérer là tant qu'on y est. Tout ce qu'on peut récupérer. À droite, j'aimerais bien tenter, mais vas-y, la flemme un peu, non? En vrai. Autant. Entre toi et respire un grand coup. Ok, je respire. Ok, ça c'est pas trop mal. Hop. Oh, on a eu chaud au kiki. Ok. Alors là par contre. Alors là par contre. Oh non. Oh non. C'est un plaisir, je redescends tout. C'est un plaisir. Oh non. Tout ce que j'ai accompli jusqu'ici. Réduit au néant. Par la gauche ou par la droite? Par la droite. C'est pour ça que je vais à gauche, quel con. C'est peut-être pour ça que j'y arrive pas. Je suis plus à l'aise avec la droite. Ok. Mais putain, c'est de la merde! Pourquoi je suis bloqué ici? Arrête! Comme ça. Voilà! S'il te plaît, dis-moi que... Dis-moi qu'après ça... Voilà! Est-ce que je tente de descendre? Non, clairement pas. J'ai pas envie de tout recommencer, moi je m'en fous. J'ai récupéré ce que je voulais. C'est l'essentiel. Moi, c'est ma graine prodige. Le plus important, c'est même pas l'argent. L'argent ne rend pas heureux. Le plus important, c'est la graine prodige.
Voilà la moralité de l'histoire en vérité. Oh, regardez-moi ce beau moment gravé. Qu'est-ce qu'on a là? Point d'interrogation. Tu as l'air de maîtriser les effets de ce badge, tu veux que je joue en équipe? Non, non. Attends, mais c'est exactement même que celui qu'on a déjà, je comprends pas. Bon. Recherche collective. Donc, énigme de la place. Il existe des blocs spéciaux uniquement visibles par Peach. Eh ben, j'ai bien fait du coup de prendre ce personnage. Trouvez-les tous, Pokémon. Trouvez tous les jetons prodiges cachés dans la place. Si vous avez des difficultés, demandez à un ami de vous aider. J'ai pas d'amis. Où c'est que tu vois des objets là? Ah! Putain! Ok, donc c'est ça? Ok, et 2-1. Ah oui, j'aurais peut-être dû prendre le badge pour escalader. Là-haut. Wesh! Oh non, c'est trop compliqué, on est. Oh non! Ok. Ok, c'est bon, on peut revenir au moins. Ok, donc c'est-à-dire qu'il y en avait un que j'ai loupé juste avant. Donc ce serait bien qu'on puisse le récup. Où c'est qu'il pourrait être? Ah, voilà! Non, là, il y a forcément un truc, non? Pourquoi? Non, mais là, il y a forcément un truc. C'est pas anodin qu'il y ait un œuf ici, non? Bon. On en a trouvé une ici, là. Où pourrait être la deuxième? Putain, je vois pas. Vas-y, on continue. Attends, va à droite d'abord. Ok, y'a rien. On descend. Rien dans les tuyaux. Non. Toujours pas. Non, mais peut-être que ça peut apparaître là. Non, rien. Ah, ce tuyau. Non. Alors ça, c'est le genre de truc qui va me rendre fou. Oh non. On revient ici. Non, mais là, c'est pas possible. Oh! Il y a eu un truc, là. Oh! Allez, hop! Alors ça, mon pote, je sais pas comment... Je peux descendre ou pas, là? J'ai peur. Vas-y, je descends. Ok. Oh, magnifique. Ok, donc il nous manque bel et bien celle qui est juste avant. Putain, elle est où? Ah là là là. Ça va être une connerie, genre juste ici, là. Bon, elle est forcément ici. Elle est forcément ici. Mais je vois pas où. En fait, il faudrait que je puisse monter là, à mon avis. Mais j'ai pas le... J'ai pas le badge qu'il faut. Ça va où, là? Oh non, je suis ressorti. Eh ben, ça tombe bien. Je vais m'équiper, voilà, du saut d'escalade. Oh purée, révélation totale. Ok. Donc là, il m'en manque un encore à trouver. Est-ce que ça m'a sauvegardé mes trouvailles? Tiens, salut. Non, il faut que je recommence. Oh, vas-y. Casse les couilles. Bon, on a un là. D'accord. Ensuite, t'en as un là-haut. Ah, je pense que j'ai bien fait d'avoir pris l'atout. Ah ouais, mais en plus, on le voyait ici, là, le dernier, là. J'avais pas fait gaffe. Hop. Donc là, comment j'ai fait, je ne sais plus. J'ai couru. J'ai sauté. Ah ouais, mais j'ai pas... Mais non, mais je peux pas, du coup. Comment j'ai pu faire ça? Wesh, comment j'ai pu le récupérer, celui-là, là-haut? Bon, attendez. Du coup, est-ce que mon plan était bon ou pas? Donc, je vais là. What? Voilà, et là, je fais ça. Ok, ça a pas l'air de servir à grand-chose. Ok. Attends, ça me paraît trop bizarre quand même. Hop. Pas du tout. Par contre, comment faire pour arriver là-bas sans le parachute? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Allez, lâche tout, là. Voilà. Bon, bah, on se fait arnaquer. Je crois qu'on va pas pouvoir. Sans le badge parachute, on peut même pas récupérer le dernier.
Et puis de toute façon, le deuxième, je sais pas où il est. Donc, un peu chiant. Un peu chiant. Ah non, il y a rien à faire ici. Comment je demande un ami? Comment je demande un ami, frère? Ah, on peut pas le récupérer là-haut. Sans le parachute, on peut rien faire. Je réessaye encore une dernière fois. On peut pas. Allez, on se casse de cet enfer, tant pis. On pourra pas débloquer le niveau là, je sais pas du tout pourquoi. Je veux bien que vous m'aiguillez en commentaire, comme ça on pourra éventuellement revenir par la suite et le faire si on en a l'envie et le besoin. Mais en tout cas voilà. Allez, on va s'occuper à la place au pic d'or pour pouvoir monter le mont Everest, hein, bien évidemment, MDR. C'est parti. Place au pic d'or. Et le badge bloc bonus peut faire apparaître des blocs servant de plateforme. Faut que je change de badge, faut que je reprenne le parachute. Bien sûr. Et oui. Sinon on va jamais s'en sortir. C'est le meilleur des badges, hein, clairement. Toi tu meurs. Ok, rien à récupérer ici. Je préférais quand même vérifier. C'est sympa ça comme créature méchante, ça j'aime bien. J'aime bien la mécanique. Go 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 go, j'adore. C'est trop marrant. Bon, l'avantage c'est qu'ils font que une ligne droite. Ok, pas mal. Ok. Hop, toi tu dégages. Attends, bouge pas. Hop, je récupère ça. Peut-être qu'on peut descendre, je ne sais pas, j'ose pas. Allez, hein, vaut mieux pas descendre. Tac, tac, tac. Oh bâtard, bien vu. Petit checkpoint. Oh bien ça. Ça c'est bien joué, mec. Merci bien. Attends, on va essayer de... Ok, non, ça sert à rien. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, une petite vie supplémentaire, ça fait toujours plaisir. Hop! Ah! Excellent! Hop! Je vais limiter la casse. Hop. Oh, oh, oh! Ok, je pense que je peux aller dans le tuyau. Pas du tout. On peut grimper là-haut. Allez. Oh non. En plus, je l'ai vu venir. Oh, bien. Cela dit. Là, on peut pas aller. Là, on peut pas aller. Là, on peut tomber. Vas-y, fais péter. Eh. Allez. Magnifique. Magnifique. Si ça peut nous... Non, faut que tu ailles un peu plus à droite. Juste ici. Voilà, let's go. Ah, c'est vraiment trop bien. Les mécaniques de ce Super Mario Bros. Wonder sont vraiment excellentes. Je regrette pas du tout de pouvoir y jouer encore. Gros big up, merci Arthur du coup. Hein. Parce que voilà, je vais être honnête avec vous, j'ai pas acheté de jeu. J'ai acheté beaucoup trop de jeux Nintendo Switch pour ne pas y jouer. Donc j'avais vraiment pas envie de l'acheter pour le coup. Pour d'abord essayer. Donc j'ai vraiment bien fait, je trouve. Alors par contre, attendez, bougez pas, regardez. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Et hop. Voilà. Magnifique. On débloque le passage, on débloque l'accès. On va pouvoir bien en profiter. Tout. Nanao. Plutôt sympa ce niveau également. J'ai pas eu tout ce que je voulais, mais j'aime plutôt pas mal. Allez, on monte. Attends, y'a quoi là? Tu avances bien. La neige peut bien tomber. Oh, le bazar! Ouais, let's go! Alors, déjà, on va acheter les vies, on s'en fout. Ça, on a déjà en poche. Donc, évidemment, on va acheter graines prodiges avec nos 100 balles. Let's go! Reviens quand tu veux. Ouais, mais tu me vends pas ce que je veux aussi. Ça, c'est chiant. Ok, on arrive sur une nouvelle portion de la carte. D'ailleurs, si on regarde un petit peu la carte où on est, vous voyez où est Peach, on a quand même pas mal de nuages encore à faire. Autant vous dire que ça va être bien long. Ascension perchée. Allez. Ça tombe bien, c'est pour moi, je suis perché. C'est pour Bibi.
Ok. Ah, j'aime bien. Donc là, j'imagine que je peux escalader ça comme une liane. Hop. Attendez, on va faire un petit trick shot. Hop, 3-6. Merde. C'était pas ça que je voulais faire, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ces reflets lumineux à jaune à gauche, là, en jaune? Ok. Ah, ça sert à quoi, ça? On avait déjà ça précédemment, je vois pas à quoi ça sert. Oh. Ah, dommage. Ah, j'ai compris. Oh là là. J'avais pas compris. Et si je fais ça, il se passe quoi? Ok. Voilà. Super intéressant, cette mécanique également. Hop, ça dégage la racaille. Non. Oh non, c'est chiant. Oh non. Et par contre, alors, autant c'est pas mortel, autant c'est chiant parce qu'à tout moment, tu redescends tout. Hein. Bon, ben on recommence. Hop. Hop. Hop, on en profite pour faire dégager la racaille. Vite. C'est bon. Voilà. Ah, attends, bouge pas. Voilà. Ça grimpe. Eh ouais. On est au 7ème ciel, hein. Forcément. Salopard. Vous voulez pas venir. Alors attends. Voilà. Oh. Oh, hop, hop, hop. Voilà, bébé. C'est comme ça que ça se passe. Eh, on dirait pas, hein, mais je suis un grand joueur professionnel de Nintendo. Hop. J'ai trop le seum. Voilà, c'est vraiment quand je dis ça. Excellent. Bon, j'ai suffisamment de vie, hein. J'ai suffisamment de vie pour me faire plaisir, mais... Oh, le joueur Nintendo en carton. Hop. Hop. Donc. Attention à pas tomber dans le vide. Ah! Peut-être aller dans ce tuyau, qui sait? Non, comment je peux faire? Ah. Comment je peux faire? C'est bon. Je sais comment faire. Ah bah non, pas du tout. Bon, mais j'ai pas compris. Et... Ok, on est à la fin, genre. Bon, j'ai pas compris comment aller à gauche, là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on récupère, du coup, la graine prodigieuse encore. Et encore. Bah, du coup, on en a loupé une. Bah, j'imagine bien savoir où elle était, mais... J'ai pas su y aller. Voilà. Ascension perchée. Ça, c'est fait. Ensuite, et allez, on débloque encore. C'est bon, ça, j'aime. J'aime quand ça apparaît comme ça. Intermède, perche, céleste. Carotin est un être étranger, quoi. Alors, attends, parce que c'est tellement con, ça. Et de 1. Ok. Et de 2. Ah ! Oh, le salaud. Genre. Voilà. Lui au moins je l'ai eu. Hop. Allez. Plus qu'un. Oh. Et il y a du vide en dessous, non? Attention tout de même, hein. Allez, il en reste plus qu'un. C'est terrible. Hop. Non, faut juste pas le louper. Voilà. La graine prodige. Allez, non, c'est bandit. On amortit la chute quand même, hein. MLG avec un seau d'eau. On est sur Minecraft ou... Très bien. Bien sympa. On a encore un petit bonhomme qui veut nous parler. Il est encore triste, c'est Inox Tag. Qu'est-ce qu'il veut, Inox? Que faire, mais que faire? Oh, le sentier qui mène jusqu'ici est à nouveau ouvert. C'est un grand soulagement. J'étais en train de grimper quand il a été bloqué. J'étais coincé ici. Ah, ben voilà. Ben oui, regarde, le sentier qui mène au sommet a été bloqué lui aussi. Et il l'est encore. Donc pour le moment, plus personne ne peut aller là-haut. Je vais débloquer ça, t'inquiète. Mais non, Poplin. T'inquiète, Inox. Tu vas faire ton projet. Donc, il faut débloquer ça avec 9 machins, là, que j'en ai 11. Mais d'abord, on a un défi ici. On a une arène de combat là. Et qu'est-ce qu'on a là? Saut et rythme.
Allez, vas-y, go. Ah, ça donne des feuilles vertes, quoi. Qu'est-ce que ce truc, c'est quoi ces récompenses? Je ne sais pas. On va essayer. On va essayer de se faire ça. D'accord. Non mais voilà, il fallait... C'est toi ? D'où tu sors ? Quoi ? What ? J'ai... J'ai pas compris. Non mais je l'ai pas terminé frérot, mais qu'est-ce qu'il me fait lui ? Mais n'importe quoi ! Attendez. Je vais réussir ce truc. Pas possible. Attendez, je vais boire un coup, ça va m'aider. N'hésitez pas à boire un petit peu, hein. C'est important de s'hydrater. Stay hydrated. Bon, faut attendre alors, c'est ça? Ok. Ok. J'ai le rythme dans la peau, hein. Jusqu'ici, Ah d'accord, ok. Ah ouais, d'accord, j'ai capté. Non, parce que je me suis dit, il se foutrait pas un peu de ma gueule? Non, mais je vais recommencer. Voilà. Ok. Non, parce que je me disais, niveau difficulté 4 étoiles, c'est plutôt de la déconnade. Mais en fait, oui, d'accord. Allez. Tain, 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 tain. Tain, 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 tain. Je suis enfin devenu celui que je voulais être. Le virtu. Allez. Ah, c'est vrai que ça va de plus en plus vite aussi. Oh merde. J'ai les mains moites. Vous me croyez? Wesh. Non! Putain de jeu de merde! Je suis mort, vas-y. Dernière tentative, sinon après on avance. Parce que là, ça va pas être possible. Et c'est vrai que c'est pas facile, hein. Ça a l'air simple, le début est très simple. Mais alors là, mon pote. Ce monde est cruel. Tain. Tain, 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 tain. Ok. En fait, faut juste pas se foirer, quoi. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. J'abandonne. Non, c'est incroyable. En vrai, trop stylé, mais impossible. C'est quoi cette histoire? Incroyable. Je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb, en fait. Truc de ouf. Oh, le truc de ouf. Bon, allez, je me casse. Pue la merde, là. Eh, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Bon, ici, on a défi badge. Allez, un défi, une étoile. Ça change quand même de la difficulté qu'on vient d'avoir. Même en cas d'échec, vous ne perdez pas de vie dans les défis badge. Ah oui, c'est vrai que ça, c'est pas mal, ça. Donc là, c'est un nouveau badge encore. Ce badge vous permet de sauter un peu plus haut que d'habitude et de flotter légèrement. Oh, mais c'est un mélange entre plusieurs... Ok. C'est un mélange entre parachute et escalade, au final. J'ai compris. Ah, attendez, bougez pas. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ah ouais, bien. C'est perturbant. Très perturbant. Alors là, je peux pas. Mais je pense savoir comment faire. Voilà. Next. Évite de te faire mordre. Bon, écoute. Moi, j'aime bien quand on me mord. Bon, tant pis pour la pièce. Rien à péter. Hop. Et voilà. Checkpoint. Oh là, magnifique. Magnifique. Non, c'est atroce. C'est atroce. Heureusement, on perd pas de vie, n'est-ce pas?
Ok. Dernier saut. Ah bah dommage. Ah ouais, mais si j'avais été plus grande là, j'aurais pu faire le prodigieux. Mais c'est pas grave, on a récupéré le plus important. Évidemment. Merci Noxtag, très sympa. Le grand saut flottant. Bah du coup on va débloquer l'accès par ici. Beau travail, en plus on a reçu le badge. Je peux l'équiper, vas-y. On va équiper ce badge. Plutôt pas mal en vrai. Si ça me fait chier, de toute façon on reprendra le parachute et puis c'est tout. Hein. Hop. Ça c'est fait. Parcours moelleux. J'aime quand c'est moelleux. Ramasser des super étoiles à la chaîne pour prolonger la durée de votre invincibilité. Oui, c'est le... C'est bien ça. Ok. Ouais, c'est vrai que je flotte. Alors là, l'éléphant qui flotte, ça va être assez cocasse. Eh oh. Ça monte ou ça descend, faudrait savoir. Comment je... Ah! Excellent ça. Mais attendez, on peut se coucher? On peut se coucher et on peut faire ça. Ah, c'est rigolo, on donne des coups de queue comme ça, enfin des coups de trompe. Très bien. Ah, j'ai compris, la lueur de lumière, c'est pour... c'est si il y a des... En gros, faut titiller le machin. Et ça fait venir des objets, quoi. Vas-y, descends. Oh, putain. Oh, j'ai trop le seum. Bon, mais en plus, y'a rien à récupérer. Oh, si. Excellent. Comment on remonte? Ok. Bougez pas. Voilà, moi, je vais aller dans ce tuyau, moi. Genre, je peux pas aller dans le tuyau. D'accord. Allez. Pas que ça va faire. On est déjà à la fin, genre? Ah non. Parcours moelleux. Incroyable, mais vrai. Oh. Toi, je t'ai vu. Voilà, bébé. Hop, le retour de l'éléphant. Oh. C'est trop drôle. Ok. Hop, ça dégage. T'as raté un truc, non? T'as raté un truc. Qui te permet de... Ah, mais quand t'es un éléphant, tu peux pas rentrer dans les tuyaux, en fait, je crois, non? Ou bien... C'est certainement une connerie que je suis en train de dire. Alors, par contre, hé... Hey. Commence pas à me gonfler, toi. Non, hé, hey, stop. Voilà. 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 Je vais me permettre de sécuriser. Voilà. Allez, prodigieux. Quel plaisir. Dites-moi en commentaire, les amis, c'est quoi votre Mario préféré? Enfin, en Super Mario Bros, j'entends. Donc par exemple Mario Odyssey, etc. Vous comptez pas là-dedans. Moi je parle vraiment en Mario Bros. Genre même sur Nintendo, Nintendo 3DS, Nintendo Switch, évidemment. Voilà, Super Mario Bros 1, 2, 3D World, Wonder. Voilà, n'hésitez pas à me dire. Presque au sommet. Vous avez presque atteint le sommet, mais votre chemin est encore semé d'embûches. Et si vous faisiez un saut au bazar de Pamplin pour vous préparer? J'ai déjà fait un saut au bazar de Pamplin là. Pamplemousse. Hein. Oh, pamplemousse, oh. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi tu rigoles? Je te fais rire? Un petit zizi, c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Un portail. Oh non! Oh non, le guet-apens! Oh, le guet-apens! Après, rien ne m'oblige d'y aller, hein. Ah bah si. Forteresse volante du Mont Nébuleux. Allez, on y va, difficulté 3. Avec notre hélicoptère floral. Si vous ramassez une pièce 10 fleurs déjà obtenue, vous gagnerez tout de même 3 pièces fleurs. Et pas compris. Ok. Alors ça, j'ai des mauvais souvenirs de ce genre de... Oh non. Tu vois ce genre de truc là? J'en ai des mauvais souvenirs. Moi, voilà. Je suis terrorisé. Mais je crois même sur Nintendo Cube, j'y jouais sur Nintendo Cube, il y avait des niveaux un peu comme ça aussi. Et j'en ai pas des... Des spécialement bons souvenirs. Bon, ça sert à rien d'aller là-haut de toute façon. Ah, c'est pas mal ça. Ah, c'est pas mal ça.
Ah, j'aime bien. Ok. Oh là là. Mais les mécaniques sont tellement intéressantes. Oh, j'aimerais monter. Oh non, s'il te plaît. Voilà. Comme dit, les pièces, je m'en fous un peu en vrai. C'est surtout les pièces mauves, là on aime bien. Voilà les canons, voilà, là on vient dans le concret de mes souvenirs que je déteste. Ça fout une telle pression. Ça fout une telle pression. Voilà bébé. Ok. Faut rester focus. Je sais pas si je prends des dégâts là-haut ou pas. Est-ce que je peux prendre ça ou pas? Oui. Un petit moment de répit quand même. Là ce sera très bien. Et comment je fais pour l'emmener lui? Je peux le prendre ou pas? Ouais. Voilà. Impec. Ah c'est vraiment bien. Et franchement c'est vraiment chouette hein. C'est tellement chill. Et hop comme ça on a le petit checkpoint ça. Parfait. Fleur en rab. Et on prend pas de dégâts visiblement avec les feux d'artifice. C'est plutôt pas mal. Allez. En fait c'est vraiment un champignon d'hallucination de machin. C'est un hallucinogène. C'est quoi ça? Ok, faut éviter le. Faut éviter la cible. Au secours. Ok. Ok. Je peux pousser ça peut-être, non? Ah, trop bien, ça fait péter les machins. Vas-y. Let's go. Ok. Wesh, arrête. Wouah, je me chie dessus. Oh là 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 là. Attends, bouge pas. Vas-y, fais péter. Voilà, let's go. Graine prodige obtenue. Tellement jouissif. Tellement agréable. Encore un checkpoint. Ça ne se finira donc jamais. Petite pièce. C'est le geste qui compte. Voilà, je me suis fait arnaquer. Je me souviens que si tu te collais au canon, normalement il t'en jette plus, je crois. Hop, hop. Hop, et voilà. Hop, 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 ça dégage la racaille évidemment. Ouais. Ok. On va pas trop se précipiter non plus. Peut-être aller dedans. Ouais, ok. C'est pas fini. Oh my god. Oh my god, le boss. Oh my god, faut que j'appuie sur le bouton rouge. Oh non. Qu'est-ce que c'est que cet enfer? Ok. Ok. What? Et j'aime pas du tout l'ambiance. C'est bon. On a tout fait dérailler. Je sais pas où je suis, mais on a tout fait dérailler. On a réussi. Ok, très bien. Très bien. Je pensais qu'on aurait un boss final, genre Bowser Junior ou je sais pas quoi. Ah non, pas encore. Là, c'était juste un guet-apens. Ok. Le boss final du monde sera bien plus haut encore. Ok. Hop, ça dégage. C'est con, hein. Par contre, son cadavre reste sur les nuages, là, du bateau. J'aimerais bien le pousser, le faire tomber dans le vide. Oh là là, j'ai vraiment eu la frousse de ma vie. Il faut dire que j'ai le vertige en même temps. Cela dit, ça me fait penser à quelque chose. Il paraît qu'il y a un badge pour t'aider en cas de chute dans le vide. Et il serait vendu sur ce mont en plus. Ah, et souviens-toi que si tu veux que je change de badge, tu n'as qu'à appuyer sur R. Mais tu parles du parachute. Tu parles du parachute. Chute sans crainte. Ah! Le bazar. Alors c'est quoi ton badge là? Rebond salvateur. À chaque chute dans un trou, un marais toxique ou de la lave, vous rebondissez une seule fois automatiquement. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Sincèrement, est-ce que je suis nul à ce point là? C'est une vraie question. Parce que soit je prends ça ou soit je prends la graine prodige. Bon, ça coûte rien de l'essayer.
On va l'acheter, on va l'essayer. Même si on aurait pu la débloquer gratuitement d'ailleurs, par la suite, c'est vrai. Mais allez, on va l'essayer. On va l'essayer, et ça c'est quoi ça grand saut? Oui, donc ça c'est ce qu'on avait juste avant, ok. Ok, très bien. On va essayer comme ça, incroyable. Tu as réglé son compte à cette forteresse volante avec brio. Si tu as réussi à venir jusqu'ici, je suis sûr que tu ne feras qu'une bouchée de ce petit vaurien. Le sommet du mont est juste devant, voilà. Et en plus j'ai pile assez. J'ai pile assez pour déverrouiller le machin. Je suis même pas obligé de faire les petits mondes à part. Mais on va quand même faire un monde à part. Difficulté 3 ici. De sorte à ce qu'on essaye ce fameux truc de tomber dans les trous avec le badge. Pour voir ce que ça vaut vraiment en fait. Pour voir si ça vaut le coup ou pas. Alors je vais quand même pas tomber volontairement dans le vide, mais des fois qu'on sait jamais. Ok. Tu vois, parce que là le problème c'est que je peux pas faire mon escalade et je peux pas avoir mon parachute non plus, tu vois. Donc c'est pas facile. Oh, où c'est que je suis allé? Donc en vrai ça me pénalise pas mal, mais si je tombe dans le vide ça me sauve. Donc faut voir. Faut voir la limite du bon plan. Ok. Oula. Mais tu vois là c'est pareil, je peux pas Ah! Voilà! Ok. Hop, hop. Ah, j'aime pas du tout, ça me fait trop peur cette plateforme. Oh purée. Ah! Ok, voilà. Donc, ok, quand tu tombes dans le vide, t'as vu, ça m'a sauvé quand même in extremis. Donc, c'est pas non plus négligeable. Par contre. Ok, faut que je descende là. Ah, faut sauter. Ok, c'est le nombre de sauts que tu fais. Oula. Oh le bâtard. Oh, j'aurais dû le tuer avant. Ok. Ok. On va attendre, on va limiter le nombre de sauts, même si lui il en fait beaucoup. Attends, je m'occupe de lui. Voilà. Ok. On arrive au checkpoint. Ah si, c'est pas mal. En vrai, j'ai pas forcément besoin du parachute, me diriez-vous. Ça pourrait aider quand même, mais bon là, voilà, au moins ça me permet de me sauver si jamais c'est vraiment la merde. Alors ça, par contre. Voilà. Mais, en plus, je suis débile. Comment je peux faire pour tuer ce truc, je ne sais pas. Attention la tête, faudrait que j'arrive à... Oh putain. Oh non. Faudrait que j'arrive à descendre. Comment je fais pour descendre là en bas dans ce truc là? Je ne sais pas, voilà, allez. Je vois pas comment faire. On va se laisser porter. Bah là de toute façon je peux pas casser le bloc. Si je pourrais mettre ma fleur, mais j'ai pas envie de risquer ma fleur là. J'ai pas envie de risquer ma fleur. Oh ouais, non mais là frérot, avec ta tête de nœud là, il a une de ses têtes de nœud le mec qui balance en plus là-haut ses carapaces là. Attends, regarde, j'ai bien fait de pas user ma fleur parce que regardez bien. Voilà. Allez, hop, c'est Bibi qui régale. Là on peut pas... Non, dommage. Bon, là au moins je vais pouvoir dégager tout ce qui me dérange. De manière absolument abusée. Allez, viens, envoie-moi ça pour voir. Il aura même pas le temps de tomber, tu vas voir. Ah, si. Attends, je peux même te dégager, toi, non? Hop, voilà. Tu me feras plus rien. Merde, je me couche carrément. Ta 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 ta. Excellent. Alors ça, c'est très dangereux. Ok, c'est grave la merde. C'est pas grave, t'inquiète, t'inquiète. C'est un bon move. En vrai, c'est un bon move que je viens d'avoir. C'est un bon move. Oh non. Oh bah au moins je l'ai shooté. Chez. Me demandez pas comment, c'était vraiment pas fait exprès. Vraiment pas mal. Oh là, et là on a de la chance. Voilà. Parfait. Toi, tu vas rien faire du tout. Je peux aller dans le nuage. Oh, magnifique. Je sais pas combien de temps ça dure.
Genre, je peux utiliser le nuage indéfiniment? Let's go! Ah non, ça s'arrête. Ok. Pas trop mal quand même. Là, ça sent la fin par contre, non? Même pas. A plus dans le bus. Y'a pas un petit checkpoint? Oh bah voilà. Allez hop! C'est pas parfait, mais. Il fallait. Il fallait parce que. Mais vraiment pas mal, donc en vrai, pas forcément besoin du parachute, ni même de du truc d'escalade. Mais pour nous sauver des situations, notamment dans le donjon final, avec la lave. Voilà, si tu tombes dans la lave, au moins ça te permet de te ressortir in extremis, mais une seule fois quand tu le fais, donc c'est vraiment pas mal. Et on a le droit à un bonus encore ici d'ailleurs, dont je n'ai même pas besoin, puisque je peux déjà débloquer le château. Donc les amis, on va le débloquer et on va se faire ça dans le prochain épisode, le 4e épisode. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, faites-le moi savoir avec le petit like, évidemment, en commentaire. Le palais du monde nébuleux qui nous attend avec une difficulté maximale. Moi, je vous le dis, ça va donner. C'était Mkolo, plein de bisous. Ciao tout le monde.